Laissez-moi vous dire quelque chose. Vos idéaux, moi, je pisse dessus. Devrais-je partir? J'en sais rien. Tunis, le 27 avril 2020. J'ai jamais vu une ville aussi laide, aussi vilaine. J'en connais peut-être pas beaucoup des villes. J'ai très peu voyagé. Mais je peux quand même être certain que celle-ci est maussade et rébarbative. Nous sommes bien un vendredi, si j'ai bonne mémoire. Et me voilà encore tiraillé entre deux choix décisifs. Le divan ou le canapé pour poser mes fesses bien molles et ressasser les infos du jour pendant encore des heures et des heures. Scroller, l'écran noir des artifices et cette interface insipide, bleue et blanche. Croiserai-je peut-être une paire de Heinz bien fraîches? Et même, j'ai perdu le goût du fantasme. Cela me fatigue et consolide jour après jour ma vanité. Facebook, ça ressemble de plus en plus à une rubrique nécrologique. Rien n'y transparaît, que de la lave crachée à la gueule des loups que nous sommes. Dans 1h30, je sais déjà, j'aurai certainement envie de me branler un coup. Mais ce sera pas le fruit de la foudre, pas celui du désir, rien. Juste le besoin implacable de me tirer sur la tige comme un vieux babouin. De toutes les manières, depuis mes 15 ans, je ne me suis plus branlé pour un quelconque plaisir. La masturbation depuis cet âge-là n'a été qu'un moyen rapide et efficace de me défaire d'un stress, une anxiété m'attendait. Pas un examen à la fac sans que je me tire sur la tige avant, parfois même dans les chiottes de l'université. Mais qu'importe, j'ai toujours été un étudiant studieux, brillant même. Alors, personne ne m'en voudra. 4h06. Les gens finissent toujours à un certain âge par cohabiter avec l'anxiété. Non pas qu'ils parviennent à la vaincre, mais je pense plutôt qu'ils comprennent mieux ces mécanismes avec le temps. Plus jeune, l'âge adulte me paraissait comme un havre de paix. Je pensais même naïvement que l'ado rongé par le chaos que j'étais allait vite, une fois adulte, se transformer en un dandy apaisé. Un jeune homme qui baigne sans pesanteur. La paisibilité de cette planète Terre. Mais il n'en est rien. Absolument rien. Et j'irai mieux peut-être demain. Alors à demain. Deux heures du mat, lumières aveuglantes, sons stridents. Le club, une église faite de nos mots, un capharnaüm, un dôme sous lequel vient s'abriter à cet instant T, un cri sourd. Tu sais, quand je mixe, les regards, les sueurs, c'est cela que je garde. Et ce soir-là, sur le dance floor, trois jeunes femmes m'avaient hanté. Elle aimait la boisson tant que la moisson, et tout ce qu'elle en cueillait en fin de soirée. Du bric-à-brac humain, de chair lasse et ennuyée, des femmes, des babelles, des laidrons, et parfois même des cons. Elle n'était pas avare de ses désirs, Myriam, loin de là. Elle piochait dans la soirée, au gré des envies, là où le malaise pouvait la mener. Agrippée à une poutre,
levant à peine les yeux. Elle fixait un peu ses pieds, les joignant parfois, dans un geste latent. Elle gesticulait à peu près, des mouvements peu précis, qui se répètent, puis s'accélèrent. À la main, vodka orange qui déhanche. Asa avait pris l'habitude de venir seule à ce club. Et quand elle n'y trouvait pas un refuge, elle y crachait néanmoins dans quelques pas de danse, tous les tracas du boulot, les débris de longues journées assises. Elle a envie de partir, toujours. Une main tendue vers le ciel, elle dansait, ou presque, souriait, ou presque, s'amusait, ou presque. Voilà 2 semaines que l'homme en qui elle accrochait 1001 espoirs était parti. Entre 2 boum-boum de basse, le sol qui vibre incessamment et l'odeur des fumées giclant de temps à autre, transpercé des bouts de lumière bleue, des vaisseaux sombres et brutaux, Nadia plonge dans le dance floor comme une bête affamée. Elle y échoue, comme un radeau qui chavire, son cœur bat violemment, féroce et engraissé, à coups de pilule d'extasie. Les lèvres séchées, le corps embaumé de sueur, elle avançait ses seins houleux, comme un fier étendard. Elle était tristement sexy, la Nadia, dans son jean noir et moulant. Ses fesses s'écrasaient doucement contre ce jean noir, comme un moulage, un bouclier à tant de plaisir, tant de désir et de regard que lui offrait le club. On la matait de parts et d'autre, mais elle restait insensible à Nadia. Elle était presque pas là, Nadia.